À Perpignan aussi, les salariés du public et du privé, mais aussi les retraités, ont répondu présents à l'appel de 4 syndicats pour manifester contre la politique du gouvernement. Musique et pas de danse. La manifestation est festive, mais le ras-le-bol n'en reste pas moins profond. Ça fait 2 ans que ma retraite, plus rien d'augmentation. On nous alourdit les missions et on modifie notre statut d'enseignant avec des missions supplémentaires et des conditions de travail qui vont se détériorer, la galère. Une galère dénoncée par les salariés du public et du privé, tous d'accord contre la politique d'austérité du gouvernement et son pacte de responsabilité. On va encore donner 50 milliards de plus aux patrons à travers le pacte de responsabilité et mettre en très grande difficulté les services publics et les fonctions publiques. Il faut que cette politique sociale soit équilibrée en France. On en a marre que ça aille, que l'argent public aille uniquement dans le sens du patronat. Il faut aujourd'hui que les salariés puissent récupérer aussi leur dû. Ce sont au total près de 1000 manifestants qui ont défilé ce matin à Perpignan, un rassemblement qui répondait à un appel national.